Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul les beautés Aldi. Il y en avait eu cette année, je crois, mais je ne me souviens plus quelle période. Et ça vaut vraiment le coup. J'y suis allée. Donc hier, c'était dimanche matin, parce que maintenant, mon Aldi est ouvert le dimanche matin. Et malheureusement, j'ai pas trouvé tout ce que j'avais repéré sur le prospectus. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelques bricoles et à prix quand même assez intéressant. Donc je vous montre tout ça. Alors, le premier produit, donc c'est un Cadom. Donc il y a 1 litre, 750 ml plus 250 ml gratuit. Donc c'est un flacon pompe comme ceci. Donc Cadom et c'est au beurre de karité. Voilà. Donc, il y a de quoi faire avec cette contenance. Donc, ça fait quand même 1 litre. Donc, le Cadom, eh ben, ça sent le bébé. Tout simplement. Ça sent super bon. Voilà. Donc, je l'ai payé, celui-ci, 3,38 €. Donc, ça vaut quand même le coup. Alors, ensuite, j'ai pris Axe Provocation, celui-ci. Alors, c'est Attraction Intense, parfum noix de coco et poivre vert. Voilà, donc c'est pareil, c'est un grand format, 400 ml. Donc, les Axe, ils étaient à 2,16 €. Donc, ça vaut le coup aussi. Donc, j'ai pris celui-ci. Et un autre, lendemain difficile 3 en 1, corps, visage et cheveux. Voilà. Donc pareil, 400 ml. Donc celui-ci, pareil, 2,16 €. Ensuite, j'ai pris, alors, j'en ai pris plusieurs, les dopes. Donc les dopes, les grands formats, comme ceci. Donc il y a 50% gratuit. Donc là, c'est 250 plus 250. Donc ça fait 500 ml. Donc celui-ci, c'est à la pomme d'amour. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Alors ils étaient au prix de 1,65 €. Donc c'est vrai que ça vaut le coup. Et senteur Dragibus. Pareil, la même contenance. Dragibus Haribo. Donc j'en ai pris aussi deux comme ceci. Au prix pareil de 1,65 €. Je voulais tester une nouveauté. Alors, c'est un gel douche Love Body and Planet noix de coco et ylang ylang. Donc, c'est vegan, c'est marqué dessus. Donc, pour une escapade tropicale et des gestes d'amour pour la planète. Voilà. Donc, c'est des nouveaux produits. Donc là, c'est un format 400 ml. Alors, je trouve que c'est un petit peu cher, pardon, quand même, pour ce genre de gel douche. 3,28 €. Donc, c'est quasi le même prix que le Cadom à 10 centimes près. Mais j'avais envie de tester cette nouveauté. Ils font aussi les shampoings. Mais j'ai pas pris. Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, en ce qui concerne les shampoings, j'y allais spécialement pour les shampoings Elsève parce qu'ils étaient à 2,30 €, je crois. Et c'était des grands formats aussi. Et il n'y avait rien du tout. Ni shampoing, ni après-shampoing dans mon Aldi. Donc, c'est tout. Et j'ai pris un masque Loua. Masque visage en tissu anti-imperfection au thé vert. Voilà. Donc, le masque comme ceci. 1,64 €. Voilà. Alors, j'en ai plein de masques, mais j'en achète toujours. Mais bon, j'en fais quand même. Hein. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est un Diadermine. Derma Beauté Lotion Tonique Visage. Élimine les impuretés, hydrate et tonifie, sans huile minérale, tout type de peau. Voilà. Bon, il n'était pas très cher. Le Diadermine, il était à 1,55 €. Voilà. Et c'est un 200 ml. Alors, j'aime bien les lotions, moi, toniques pour le visage. Que ce soit après le démaquillage ou le matin avant de se maquiller. Ça réveille un petit peu la peau. Donc voilà. Il sent super bon. Et puis bon, 1,55 €, ça va, c'est pas très très cher. Voilà, voilà pour ce petit haul Aldi des beautés. Du coup, au total, j'en ai eu pour 20,77 €. Donc voilà, ça reste quand même raisonnable. Et les formats des dopes là,
Ben, ça fait quand même un petit mot, ça fait quand même un petit temps. 250 plus 250, c'est des grands formats. Et il y avait aussi d'autres senteurs. Il y avait citron, je crois. Et puis peut-être bien caramel. Mais moi, je suis pas très très fan. Donc je reste sur ceci que j'aime bien. Pomme d'amour et dragibus, c'est mes préférés. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. Il n'y avait donc que ça. Donc 20,77 €. Donc bah ça j'en achète toujours parce que c'est vrai que nous on est 5 à la maison et du coup ça part relativement vite. Voilà, c'était tout pour mon petit haul Aldi. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!